de là. Montre-lui. Les rumeurs disaient vrai. Un Jedi. Et on le livre vivant. Le sénateur Sejan nous attend. Vous pouvez circuler. Il vaut mieux ne pas le faire attendre. Ouais. T'aurais dû mourir avec tes semblables, traître. Alors, où se passe l'échange? Lesquels? Il vaut mieux être discret avec ce genre d'affaire. Ok. Mais qu'est-ce qui empêchera le sénateur de prendre notre prisonnier et de nous envoyer valdinguer dans les airs? Il doit garder ça secret. Exactement. Il veut tuper les Inquisiteurs, doubler Vador. Ça gâche un jeu dangereux. Nous aussi. Un labyrinthe. J'aime pas ça. Si on suit le plan, tout ira bien. Du moment que je me paye. Ce n'est pas ce que dit la propagande. Tais-toi, prisonnier. Voilà les clés de voûte de l'Empire. Mais comment pouvons-nous prospérer que des terroristes nous menacent? Nous avons besoin de votre aide pour identifier les dissidents et les insurgés. J'arrive pas à croire que je vais rencontrer un sénateur. Ces derniers temps, il se montre rarement. Heureusement qu'il fait une exception pour nous. Eh bien, on a de quoi le faire entrer dans les bonnes grâces de l'Empereur. Un bouton. Je la vois. Ils l'ont déjà scanné au point de contrôle. Du calme, officier. Le sénateur s'assure juste que tout est réglé. Et c'est reparti. Arrêteront et incarcéreront quiconque refusera d'obtempérer. Viens par ici, Jedi. Les autres, vous restez ici. Ce n'était pas l'accord convenu. L'accord a changé. Pas question. Soit j'y vais aussi, soit on s'en va. Seulement vous. Les autres attendent. Tu vas le laisser t'appeler comme ça? Ça suffit. Bah, où vous l'avez trouvé? Au marché nocturne. Il essayait d'acheter une caisse de bombes à électro-protons à un marchand d'armes chagrin. Comment vous l'avez arrêté? Les Jedi ont besoin de dormir, comme nous. Quand le sénateur s'occupera de toi, tu l'imploreras d'abord. Toujours sympa de rencontrer des fans. Par ici, Jedi. Doucement, la petite. Occupez-vous de vos affaires. Ce sont mes affaires. Le prisonnier doit être en pleine forme. Le sénateur a demandé qu'on lui amène le prisonnier en vie. Il respire, n'est-ce pas? Les droïdes.
zone est-elle sécurisée ? Oui, sénateur. J'espère bien. Les chiens de Vador ne sont jamais bien loin. Un Jedi est un cadeau rare de nos jours. Que m'avez-vous amené d'autre ? Veillez à ce qu'il soit payé. Ce fut un plaisir, sénateur. J'espère que nous referons bientôt affaire ensemble. Le Jedi renégat Cal Kestis. Tu t'es forgé une solide réputation. Sabotage de dépôt d'armes. Perturbation des chaînes de production en agitant cette arme à la vue de tous. Le putsch raté. Sur Norseed. C'était toi aussi, je suppose. Que voulez-vous, sénateur ? Des aveux signés ? Vous savez déjà que j'ai travaillé avec Saw Gerrera. Avant que je ne te livre à l'Empereur, tu vas me conduire au reste des Jedi. Je peux pas. Il n'y a plus que moi. Inutile de résister. Je finirai par découvrir la vérité. Parfois, il suffit juste d'un discours. Mais là-dedans, j'ai d'autres outils à ma disposition. Ou peut-être me contenterai-je de ceci. Le sabre de ton maître, Jarro Tapal, un traître comme toi. Et dire qu'un jour, nos enfants nous demanderont ce qu'est cette chose. Une relique d'une institution corrompue, anéantie par sa propre arrogance. L'arrogance est un piège auquel beaucoup se font prendre, sénateur. Je suis sûr que l'Empereur ne m'en voudra pas si je te livre à lui en petits morceaux. Quoi ? Vous pensiez vraiment pouvoir m'attraper ? Vous détenez des données militaires sensibles sur votre yacht. Et vous venez de me les livrer. Ah, merci, BD. Tu vas brûler pour ça. Je vais reprendre ça. Arrêtez le Jedi ! Allez, viens me chercher. C'est tout ce que vous avez dans le ventre, sénateur ? Sortez, je peux vous parler. Je vais te démolir. C'est rapide, faut le reconnaître. Vite, sénateur. Envoie BD. Là, il vient vers nous. Il arrive un peu trop vite. Beaucoup trop vite! Tiens bon! Ça fait rien.
C'est des choses qui arrivent. Il faut atteindre ce yacht. C'est pas passé loin, mon pote. C'est pas ta faute. On rattrapera le yacht. Son yacht a disparu, tu le vois? Négatif. Préviens-le. Et le prisonnier? Il est peut-être avec le sénateur. Oh, il est tombé. Je veux une confirmation avant que la communication avec le sénateur ne soit rétablie. Tu vois quelque chose? Rien pour le moment. Il devrait déjà y avoir une section complète. C'est peut-être une allez, attaque-le! Je peux pas l'ouvrir. T'as pas un truc pour t'en occuper ? On doit retrouver ce yacht avant l'Empire. C'est sécurisé ici en haut ? Tu vas désobéir à un ordre aussi. J'ai trouvé ! Que soient les infos que cache le sénateur, j'espère qu'elles en valent la peine. Tu perds jamais espoir, toi, hein, mon pote? On a la cible en visuel ? Pas encore ! Allez, on bouge, plus vite ! On va pouvoir se reposer ici, mon pote. Respire. Il faut bouger. Non, pitié! J'ai servi pendant la guerre. Sans doute. Maintenant, dégage, ordre du sénateur. Ça suffit. Tirez. Thank you.
c'est un homme, vu pour la dernière fois sur le K-27. Et ils disent que c'est un Jedi. C'est une blague, hein? Sur Coruscant? Il a pas pu aller bien loin. Où est l'éléphant? Down! Il prend la fuite! En avant! Ce sera un jeu d'enfant. N'oublie pas ton entraînement! Voilà Lyot. Il dérive toujours. T'as bien raison, BD. On va la voir. Je les vois. La criminalité est en hausse ces temps-ci. Ennemis en vue! Arrête de chercher à fuir! Il va tous nous tuer! Ok, ça va faire. Attention, il n'hésite pas à tuer.
J'ai besoin d'aide. Je te remercie, BD. Le coup, BD. Ne regarde pas en bas. Du temps. Ah, oh, tu sais, je me baladais. J'admirais la vue. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Coruscant. Merci, Baud. Je fais que mon boulot, Kestis. Quand j'ai vu le quai s'effondrer, je me suis dit que ce coup serait vite bouclé. Pourquoi leur faciliter la vie? Ah. Où est l'équipage? On va vers le yacht. On les rejoindra là-bas. Oh. Et bravo a dit pas de radio. Pas de radio. Bravo, c'est ce qu'il fait. Koub et Lys doivent être en train de mourir de faim. Les Klatooiniens affamés. Pas une bonne chose. Rappelle-moi de te parler de la mission sur Caridaan ces jours. On dirait que cette usine a arrêté le yacht. Je crois que c'est gagné. Pas de canonnière. Ils doivent être en train de semer le chaos. On va pas les faire attendre. Comment on va te faire traverser? Bon, ça n'a pas marché. Tu penses pouvoir renverser cette caisse? Ça vaut le coup d'essayer. Ce jetpack. Rappelle-moi de te raconter comment je l'ai eu à l'occasion. Qui t'a appris à bouger comme ça? Mon maître. Chaque fois que je tombais, il me remettait sur pied. Ça a l'air d'être un bon prof. Une patrouille de Stormtrooper. On est recherché. Mieux vaut nous que le yacht, hein? Impressionnant. Qui a besoin d'un jetpack? Tu vois ce câble? Je m'en charge, Kestis.
Des larbins en bas. On peut pas les éviter. Alors on va forcer le passage. C'est quand tu veux, Kestis. À la survie. Salut les mecs. Chier. Derrière. Il s'est esquivé. Impossible d'avoir un bon angle. Bien joué. Pareil. On peut appeler l'ascenseur avec ce terminal. Je m'en charge. Des soldats arrivent. On va les prendre par surprise. Bien sûr, à ton signal. Maintenant. On va l'avoir. C'est parti. Ne laissez pas s'échapper. D'accord, tu sais te battre. Oui, toi aussi. Je parle pas le binaire, mais je comprends, BD. On est une équipe. Le yacht est juste. Essayons ce chemin. Arrête de lire dans mes pensées, Jedi. Allons retrouver l'équipage. Cet endroit est une ville fantôme. Coruscant a beaucoup changé ces dernières années. En ce moment, le simple fait de sortir, c'est déjà chercher des ennuis. En parlant de problèmes, évitons cette patrouille. Je suis d'accord. On va devoir se battre, Kyle. J'attends ton signal. Ça tarderait. Il arrive. Vise la cible. Ah, je déteste les droïdes sondes. Idem. Ennemi en approche. Feu à volonté. Information. Super rapide. C'est bon. Ça a marché. Pas nous vaincre.
jamais dû t'en prendre à nous. Une impasse. Revenons en arrière. Travail, Cal. Je crois que BD veut que tu la bouges. Alors maintenant, je dois obéir à un druide. Il faut qu'on monte là-haut. Une idée ? L'Empereur a transformé le Temple Jedi en palais. Ouais, l'Empire est doué pour ça. Prendre un truc que t'aimes et en faire un truc que tu supportes plus. Ça fait combien de temps que tu bosses avec Saw Gerrera ? Pas longtemps. J'ai juste fait quelques missions. On dirait que tu l'as impressionné, ce qui n'est pas facile. Je suis doué pour ce que je fais, je pose pas de questions qui fâchent. En général, ça m'ouvre pas mal de portes. On devrait pouvoir utiliser cette grue pour traverser le pont. On utilise les outils de l'Empire contre eux. Un Jedi, ici ? C'est une blague, c'est ça ? Paraît qu'il y a eu tant de présence hostile ! On va les éliminer. La voie est libre. Genre de minerai rare, je suppose. Oui, c'est magnifique. Futile.
affiché. Défaillance des scanners. Type t'aimait vraiment pas. Je crois pas qu'il t'aimait beaucoup non plus. Je vois pas comment monter. On va jeter un œil. On dirait que BD a trouvé quelque chose. Vous trouvez quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Un câble d'ascension. Les ouvriers s'en servent pour la construction. Tu peux le réparer? Il est un peu abîmé. Plutôt en bon état. Ça devrait pas prendre trop de temps. À ce qu'on dit, t'as combattu l'Empire sur Kashyyyk? Ouais. T'as piraté un marcheur et forcé un camp prisonnier impérial à toi tout seul. Ça, c'était BD. Rien que vous deux? Et quelques amis. Et toi, le nouveau? T'es là pour les crédits, j'imagine? J'aime les crédits, c'est sûr. Mais... j'ai une fille. Kata. Je la vois pas aussi souvent que je voudrais, mais au moins je peux la nourrir. Ça doit être dur, d'être loin d'elle. Sa mère est... non, elle est partie. L'Empire nous l'a enlevée. Désolé. Ils ont pris beaucoup de gens. Beaucoup trop. Tu sais t'en servir? Je vais m'en sortir. Je vais t'y faire ailleurs, sur Braca. T'as pas chômé pour quelqu'un de si jeune. J'essaie seulement de survivre. Comme nous tous. Là-haut! Le câble d'ascension tient. Tant mieux, j'ai le pressentiment que t'en auras besoin. On peut se servir de ce terminal pour faire pivoter le panneau. C'était pas si dur. On retourne au pont. J'espère que l'équipage va bien. Si Gabs s'ennuie, elle risque de pirater les radios des Impériaux juste pour s'amuser. Elle est si douée que ça. Elle était douée, bien entraînée. Mais elle s'était mise ses employeurs à dos. Bravo était un pilote de la République. Un ex-militaire. Je comprends mieux. Quand t'as commencé à bosser avec Kubelis? Une cantina sur Norcid. Un chasseur de primes m'avait pris de vitesse. Les jumeaux l'ont jeté dans un puits de mine. Et puis, c'est des amis. Équipe, Castis. J'espère que je fais ma part. Tu nous as conduits jusqu'au sénateur. J'ai l'impression qu'il veut doubler la part. C'est bien ça, BD? Oui.
en ferrailleur. Content de te voir. Salut, Bravo. Aucune mission ne se déroule jamais comme prévu, hein. Ça serait pas marrant, sinon. Comment va la nouvelle recrue? Il parle un peu trop, mais il est pas mal en combat. Ah, ça me va. Gaps a piraté le yacht. Le sénateur ne peut pas appeler de renfort, mais il s'est bien barricadé. T'as essayé de toquer? Aucun signe de Cal? Bautista! Bautista! Je venais de parier avec les jumeaux que le sénateur t'avait fait empailler. Hé, je veux ma part. Hé, Cal, si tu meurs, c'est moi qui récupère le Mantis. Désolé, Gabs, ça dépend pas de moi. Alors, c'est quoi le plan? Ce yacht est un sénat Ramsidian. Le sénateur y garde des secrets militaires sur son terminal privé. Ça nous donne une chance contre l'Empire. Le problème, c'est que la cabine est protégée par un sas. Même les jumeaux ne pourraient pas l'ouvrir. Comment on va faire, alors? Vous faites descendre le yacht, Jetpack. Puis, place à ma magie de pirate. Avec mon charmant assistant. Je vais nous chercher un taxi. J'en reviens tout de suite. Allez, c'est parti. Les jumeaux, aidez Cal à traverser. Lucha, Patissa. Qu'est-ce que je dois faire? Merci, les jumeaux. Ouvrez l'œil. Bravo, Lee, vous êtes toujours sur la fenêtre. Ouais. La prochaine fois, repérez les gars du syndicat avant de vous bagarrer. Hey, Cal, ça se passe bien? Je profite juste de la vue. Je dois chercher quoi? Le tuyau autour du yacht. Ça va demander un sacré tour de passe-passe. Un tour de passe-passe, Jedi. Je pense pouvoir m'en occuper. Hé, hey, Cal, j'ai essayé de bouger ces tuyaux, mais... Oui, Gabs m'a donné l'info. D'accord. C'est bon pour le premier tuyau, Gabs. Tu peux dire aux jumeaux de descendre le yacht? M'en occupe. Cours. À vous. Attends. Il y a une aération d'usine qui risque de te cuire à point. Je t'ai sauvé, Lilith. Tu me dois un vaisseau. Pour info, je l'avais un peu desserré. Bien joué, champion. Allez, monte. On va te faire descendre. J'y suis, Gabs. Les jumeaux, le yacht est à vous. Et maintenant, cher assistant, il est temps pour nous de pirater. Allons faire un petit coucou au sénateur. Je savais qu'on n'en avait pas terminé. Donnez-nous le code du terminal. Impossible! Ils m'exécuteront! Je peux peut-être le faire changer d'avis. –
Vous allez me donner accès à votre terminal. Je ne peux pas. Déverrouillez-le et nous vous récompenserons. Vous me récompenserez. Je vais déverrouiller le terminal. S'il bouge, allume-le. Avec plaisir. Allez, BD. Voyons ce qu'on a là. Ils sont partout. Ça, c'est pas vraiment ce qu'on espérait. Des années de combat. Mais rien de ce qu'on a fait ne les a freinés. À quoi t'attendais-tu? Tu as perdu. La République n'est plus... Elle a été tuée par des politiciens comme vous. Crois-tu vraiment que je voulais qu'Utapao rejoigne l'Empire? Les compromis auxquels j'ai consenti ont garanti l'avenir de mon peuple. J'y suis allé sur Utapao. Là-bas, tout le monde vous méprise. Au moins, ils sont en vie. Pourquoi se battre quand la victoire est impossible? La reddition a un goût amer au début, Cal. Mais il s'adoucit avec le temps. Libère-moi, et je te proposerai un marché. Non, sénateur. Un jour, quand vos enfants verront ça, ils sauront que les Jedi se sont battus pour eux. Quelle terrifiante naïveté. Hé hey, les jumeaux ont les yeux qui scintillent. Finissons-en avant de nous retrouver avec un nouvel incident de Carida sur les bras. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Il vient avec nous. Vous entendez ça? On prend à emporter. Vous êtes chanceux, sénateur. Vous avez rendez-vous avec Saw Gerrera. Il me tuera. Non, j'en suis pas si sûr. Tout dépend de votre coopération. C'est un talent apprécié par les sénateurs, non? La coopération. On a ce qu'il nous faut? Oui. Je me demande ce que Saw nous a préparé après ça. D'abord, il faut transmettre ses infos. Ces sénateurs ont la belle vie. Ça t'embête si je prends son yacht? Ce truc est trop lent pour toi. Ça sera mon vaisseau des week-ends. Pour me promener avec ma famille. Vous êtes pas drôle. On a un plan pour le sénateur? Je dois encore y réfléchir. On pourrait toujours demander à Kubelis de voir si le sénateur s'est volé. Relâche-moi, ou tes amis vont souffrir. Potissa! Potissa! Kulka! J'ai changé d'avis. On devrait toujours cibler l'Empire. Ouais, on agit pour une bonne cause. Non! Ils sont blindés. C'est sûr tout ça. Les autres ont presque l'air fauchés à côté. Je parie que ce sénateur a encore plus de... Mais pourquoi un tel retard pendant que vous chassiez des chimères? Vous étiez en train de cacher un traître.
ouvert. Ned Farik, une inquisitrice. Attention. Hey Gabs, merci pour... On doit rejoindre le Mantis. Gabs, les jumeaux. On pleurera plus tard. Il faut bouger. Ils sont à notre poursuite, mon pote. Il va falloir la jouer fine cette fois. La route est bloquée. Allez, on reviendra plus tard. C'est ça. Ça porterait ta tête à la 9e sphère.